Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver après ces 5 jours que m'ont coûté une petite panne électronique. J'ai des petits trucs que je vais essayer ici. C'est à la racine de vie, on va essayer de la récolter à 94%. Non, je pense que ça devrait donner. Si ça marche, on peut prendre tout à 94%. Et l'année prochaine, on essayera peut-être en dessous à 89%, quelque chose comme ça. C'est bien possible, comme normalement ça ne donne jamais qu'une seule herbe médicinale. C'est bien possible que ça passe. On verra bien comme ça. Bon, il y en a encore un petit peu aussi dans ce coin-là. Je crois que j'ai des 97. Donc on va donner quelques petits ordres vite fait de récolte. Je crois que, si je ne me trompe pas, les 7 qui sont ici, on peut les enlever. Ils doivent être à 97. Ok, c'est bon. Bon, mademoiselle Libellule, vous allez vous lever. Vous allez manger. Vous allez manger de la pâte nutritive. Et on va venir attaquer ces petites personnes-là. Alors, on a quoi? On avait Macaire. Macaire m'intéresse beaucoup. Car il est artisanat 15 avec perspicace. Un bon tireur aussi. Hein, si vous voulez mettre quelque chose dans les pattes, il va gagner 5 points. Donc, 5 points, c'est 5 fois tir. C'est comme s'il avait 5. Ce qui n'est pas mal avec une arme à courte distance. À longue distance, ben, vous n'allez jamais toucher, ça c'est sûr. Donc ce monsieur qui est actuellement à 0, il faut bien se dire qu'il a 5. Il touche mieux. Par contre, Hopkins, elle est sanguinaire, ça va, mais pessimiste, pas terrible. Elle a pas mal de trucs, mais bon, 56 ans. Ben, que ça soit une, ben, je préfère quand même petit, un peu plus jeune. Hein, pour mes... J'ai beaucoup de jeunes moi, dans l'histoire. Là. Et puis bon, pessimiste. Il n'y a, a rien de... Ouais, elle a pas mal de petits trucs. Il n'y a rien d'époustouflant, je vais dire. Et donc, on n'est pas pressé d'avoir quelqu'un pour ça. Toi, par contre, tu avais des belles flammes, mais pyromane. Bon, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à truc, mais de nouveau, c'est 50 ans. On a déjà du mal à fourguer notre cougar à Libellule, là. Donc, tant pis, quoi. Hein? Bon, Libellule, quand tu auras fini de manger... Ah, ils vont par où, là, les petits jeunes, là? Ah, ça descend. Ok. On va d'ailleurs changer encore un petit quelque chose, ici. On va vérifier que ceux-ci, on ne puisse pas s'y rassembler. Bon, je sais que j'ai une pièce supplémentaire, une chaise supplémentaire, qu'on va mettre ici, parce que... On commence à avoir beaucoup de monde. Et donc, trois pièces assises ne seraient peut-être pas plus mal. Hein? Alors, Grizzly, tu me fais quoi? Eh bien, je voudrais que tu me fasses d'abord autre chose, mon ami. Je voudrais que tu m'enlèves un insecte. Pourquoi? Parce que j'ai plus de place. Et que si je me rappelle, il y en a un truc ici, un iguane mort. En plus, on a un truc à la con, la viande de dromadaire, qui est là toute seule depuis un an, qui me bloque une case pour rien. Donc, nous allons autoriser la viande de dromadaire pour l'instant. Et on va la refuser dans celui-ci. Provisoirement, bien sûr. On va également... D'ailleurs... On va également enlever le riz. Enfin, on va le laisser, je vais dire. Ils vont pas trop s'occuper d'aller le retirer. Hein. Puisqu'autre part, on est au même niveau, je pense. Ou même à la limite, un niveau plus bas. Moi, je suis en normal. Et là, je suis en haute. Donc, normalement, ils ne devraient pas l'enlever tout de suite. Ok. Et comme ça, on mettra d'abord les patates. Hein, comme je dis, les patates, elles ont 30 jours. Le riz, il en a 40. Mais bon, ça ne devrait pas nous poser trop de pépins. Gris dit, bah oui, va pas me consommer, viens me faire ça. Alors, il va falloir bouger aussi ces dromadaires-là. Je crois qu'on va les ramener... je crois qu'ils seraient pas mal ici à l'intérieur, déjà. Je pourrais les mettre là, mais je ne vais pas gagner beaucoup de place. On peut les mettre à l'intérieur. On va les taper à l'intérieur aussi. Allez, zone.
augmenter une zone autorisée, c'était abattoir, je crois. On va faire ça sur... Donc normalement, ici, j'ai un mur. Donc on va te mettre là, sur deux cases. Et on va enlever ici. Voilà. On va prendre la case qui est ici en dessous. On va copier les paramètres. Raffiné insecte, c'est quoi? Donc tu m'autorises normalement les plats et les deux raffinés. On va juste faire du simple. Cuisiner un plat raffiné, on va le supprimer. En tout cas, celui-là. Un plat raffiné, c'était quoi avec quoi? Avec des végétaux. J'ai pas besoin pour le moment. C'était pour tester, si je m'en rappelle, je sais plus. Donc ça, on va la supprimer. Voilà. Et le plat simple. Donc on n'en fait que deux à la fois, hein, si je m'en rappelle. Ouais. Et ça, c'est uniquement de la viande d'insectes, normalement. Ouais, c'est bien ça. Et on va te demander d'aller le porter à... Alors, on va créer ici une zone de stockage qu'on va renommer. Alors, ça c'est abattoir, voilà. Simple animaux. Simple animaux. Entendu, on n'entend presque plus, mais... On n'entend presque plus, mais... Mon clavier. J'en suis très 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 content. Je crois que j'ai les caps qui sont allumés là. Ouais, ouais. Alors on recommence. S-I-M-P-L-E. Animaux. Voilà. Donc, simple animaux. On va coller les paramètres. Donc, tu me mets raffiné. Je veux que ça. C'est tout. Et pas de pourri, bien sûr. Mais bon, ça, c'est pour les corps. Tu es en importante. Oui, c'est bon. Et donc, ici, normalement, je n'en ai plus. Hein. Si, j'en ai encore. Je le supprime. Et je pense que j'ai supprimé les zones abattoirs. Au moment, elles ont été supprimées d'ici. Ouais. Ensuite, on va également peut-être déplacer ceci. Et on pourrait très bien le mettre ici en attendant. On n'a pas besoin. Bon, l'avantage qu'il soit dehors, c'est que ça met deux fois plus de temps. Très bien quand même dehors ici. Peut très bien dehors ici, hein. Voilà. Mon petit gris, tu me fais quoi? Tu dépèces une créature. Tu vas plutôt faire ça. Voilà. Libellule, elle me fait quoi maintenant, libellule? Ok, tu vas déplacer la viande qui est là. Pas de chance. Becker, quand tu as fini, tu me déplaces ça. Libellule. On va essayer de buter un mec, celui avec les... Libellule, viens par ici, ma biche. On va essayer de buter le mec avec les trucs qui flambent. Ok, on revient. J'ai mon petit grizzly. Qui m'amène le truc.
Et maintenant, tu me dépèces. Voilà. Commence à faire de la place à l'intérieur, voilà. Alors, ma petite vache, pomme de terre, essaye-moi d'abord un petit coup ici dessus, ma chérie, s'il te plaît. Voilà, 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 voilà. Ici, je ne devrais plus avoir de toit non plus. Je crois qu'on peut également démolir ça. Parfait. Bon, libellule, là, tu approches. Les autres sont là-bas, en bas. Bon, on va essayer de ne pas se faire buter, parce qu'on est plus court que l'autre qui est là-bas. Ok. Grizzly, tu viens de finir une créature. Et après, tu vas me faire... Tu vas me dépecer... Des d'iguanes. Ce qui est bizarre, hein, vous voyez, c'est créatures, cadavres d'iguanes, des apostrophes I. Alors que vous avez d'insectes ici. Peut-être parce qu'il y en a trois, je ne crois pas. Parce que de toute façon, on a d'alpaga. On a tous ces dés là. Puis on a deux ânes. Ça me fait penser à un ancien premier ministre belge qu'on a eu pendant je ne sais pas combien d'années. On a un 2, un 12. Hein. Alors, et donc pourquoi est-ce que... C'est... Et puis d'un chat. Au lieu de chat. J'ai demandé au mec qui fait ça. Il y a un type qui s'occupe de du français. D'ailleurs, si vous avez pu remarquer, j'ai... Moi, j'ai la dernière version du français. Par exemple, si vous avez... une chambre avec 64 points, vous n'aurez pas légèrement impressionnante. Je crois que vous aurez peut-être des cent ou un truc comme ça. Même chose pour les salles à manger, etc. Et pour l'hôpital, au lieu d'avoir un légèrement impressionnant, vous aurez peut-être beau, mais l'hôpital ou un truc comme ça. Donc là, moi, j'ai vraiment les trucs qui correspondent à l'anglais. Hein, parce qu'il y a quelques petites fautes, toujours bien entendu, dans les traductions françaises. On va un petit peu checker vite fait ici. Ok, t'en as fait un, génial, ça marche. Donc, ma petite idée était bonne. Donc, on peut de nouveau donner des ordres, et on va récolter tout. Tout, 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 tout. Vous saurez tout sur les herbes de vie. À mon avis, travail, j'ai fermier et j'ai forestier. Alors, vache en forestier, fermier, forestier, 1 et 1. D'accord. Donc, on va mettre 2 et 2. Et on va mettre 1 et 1 là. Ok. Ok. Et je veux personne d'autre en forestier. Personne d'autre en forestier. Personne d'autre en forestier. Ok. Ça va, donc comme ça, ils vont commencer par me faire les trucs plus rapides. Hein. Et puis, ils font tout le reste, c'est bon. Ok, on en est où? Ma petite amie, Libellule. Madame Cougar. Vous allez encore montrer à tous ces petits jeunes-là de quoi vous êtes capable. Le seul truc, c'est que vous tirez à 30 et que ce flingue-là, il tire à 37. Et donc, ouais, il y a peut-être un peu de danger. On va venir là dans le petit coin là-bas. Et on va regarder un petit peu. Parce qu'il se promène hein, souvent. Donc, ouais, elle fait quoi là? Elle attend sans rien faire. On va attendre que tu bouges un peu ton derrière. De toute façon, c'est pas Maker et l'autre que je veux, c'est Hopkins.
Elle a combien de chances pour me toucher? Elle ne peut pas me voir, malheureusement. Elle ne peut pas me voir. Vous voyez que vous pouvez aussi faire ça. Si vous prenez quelqu'un d'étranger, vous le saisissez et vous passez la souris dessus, vous allez voir les chances qu'il a de vous toucher. Bon, à partir du moment où il a une possibilité de vous toucher. Hopkins, tu es là, mon petit. Mon petit Hopkins. Voilà, est-ce que je peux venir te toucher là? Ah, t'es trop loin. T'es beaucoup trop loin. Voilà, là t'arrives. Allez, encore un petit peu. Ouais. Touche. Tu lagues. On s'en va. Alors, je t'ai touché comment? Pas suffisamment. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer d'autre? J'ai un chaman, une caravane. Enfin une caravane. Enfin une caravane. Enfin une caravane. Bon, dis-moi que... Ah, ça bloque un petit peu. Caravane, oh, avec des reliquats de des ours polaires dans un désert extrême. Ah, bien, bonne idée. Mais je vais pas te les acheter, sais-tu. Je vais pas te les acheter. Par contre, là, qu'est-ce qu'il y a dedans, là? Matériel. Neutroamine, ouais. De l'or, j'ai besoin. Ça, c'est assez génial aussi. J'adore ce truc-là. Ça, c'est génial. Ça, c'est quand vous voulez attraper quelqu'un, vous voulez pas le tuer, quoi. Mais vous avez besoin de l'avoir en prisonnier. Ça, nickel. Le mec, il tombe tout de suite dans les pommes. Il n'a plus qu'à le récupérer. Bon, ben, on n'a pas. T'as des composants. Ben, c'est ce que je veux, c'est des composants. T'as quand même un petit peu de plastacie aussi, donc on va quand même essayer d'avoir deux, trois trucs. On va demander peut-être au chaud, on va mettre quelques... C'est une quoi ça? Qualité excellent. Bon, alors si c'est une qualité excellent, on va la déposer ici. Et on va remballer... Une des deux qui était en normal. Celle-là. Voilà, désinstallée. Qualité bonne. Qualité normale, désinstallée. Genre, tu vas me faire ça tout de suite. Alors, ça, moi, j'en ai que deux, hein. C'est tout, hein. J'en ai pas plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait encore un parka sur son dos? Jamais, hein? Le plus que possible, même, je dirais. Ouais, toi, bam. Bam, tu descends ton parka, s'il te plaît. D'ailleurs, ta chemise aussi. Tu vas me descendre ça, on va vendre tout ce bordel. J'ai pas fait attention, moi, mais je suis en combat avec Libellule, non? Fais quoi, monsieur? Tu surveilles. Moi aussi, je surveille. Peux pas te toucher. Maintenant, tu peux toucher. Excellent. Encore une fois. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Bras gauche, jambe gauche. 6 heures. Dernier petit coup.
Non, parce qu'il va m'avoir. Tu vas m'avoir, toi, hein? 14%. Ok, on revient chez Jean. Bon, ça y est, il danse l'attaque. Ok. Bon, l'autre, comme il est fort à mocher, je sais même pas s'il va arriver jusque chez nous. Parce que la jambe, elle est bien foutue, quoi. Il n'a que 50% en moins. Bon, écoute, ma chérie, tu sais quoi, toi, tu vas rentrer à la maison. Tu as bien travaillé. Je suis content de ce que tu as fait. De toute façon, il y a les autres au-dessus, là, qui vont venir te les buter. Et si ça tombe bien, ils vont cramer et puis je vais pouvoir les récupérer. J'avais pas pensé à ça, je suis un peu idiot, comme d'habitude, je suis toujours idiot. On va t'envoyer là. Ouais. Rentre à la maison, ma chérie, les autres vont s'occuper de toi. Et ils sont avec quoi? Avec des arcs à flèches aussi, eux? Ça va aller, hein? Ah, il y en a un qui hésite, là. Lui, il hésite. Malheureusement, j'ai peur qu'il se fasse buter, quoi. On va quand même rester dans le coin. Ne le tuez pas, pitié. Laissez-le vivre. Oui. Yes. Capturé. oui, ne t'inquiète, mec, j'ai tout prévu. Tout est prévu. T'as même, regarde-moi ça, t'as même une belle petite table, mon ami. T'as même une belle petite table. Merci, les gars, de ne pas l'avoir buté. Hop. Occupez-vous de l'autre pendant ce temps-là. Le reste, je m'en fous totalement. Voilà, vous pouvez vous enfuir. Toi, tu vas pas t'enfuir longtemps hein, avec ce qui te reste dans le nez. 3 heures, t'es mort. Si tu peux mourir encore dans le champ ici, que je récupère les grenades et tout, ça serait sympa. Alors, on récupère un beau fusil, petits enfants, là. Qu'est-ce qu'on récupère d'autre? Rémi, qu'est-ce que tu peux me donner comme matériel? Tu as un manteau en tissu normal. Bon, chemise en tissu, pantalon en fourrure. Eh bien, puisque tu es mort, tu vas rester avec tous tes trucs sur le dos. Parce que c'est à cause de toi que cette gonzesse est morte. T'aurais pas eu l'idée de lancer un... Je sais pas ce que je raconte, n'importe quoi. Ben, t'aurais pas eu l'idée de faire un truc commercial ici, un site commercial ici. Tout ça ne se serait pas passé. Ouais, reste un peu là. Ouais, ça y est. Ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux, ça, mes enfants. Parce que là, on récupère un chapeau melon en cuir bon, plus 15% quand on papote avec les gens. Et une veste renforcée à 95%. Elle n'est pas excellente, mais elle est très bien quand même. Des habillons. Qui est-ce qui va s'occuper de déshabiller? C'est toi, mon ami. Non, t'as quelqu'un? Ah, Dan. Dan, tu peux me faire ça. Veux-tu venir ici, mon ami Dan? S'il te plaît, tu te déshabilles. Le chauffe, tu fais quoi là? T'as déjà été porté le mec Pourquoi t'as arrêté?
Vas-y, Dan, fonce, mon ami. Il te reste 2 heures. Ça devrait aller, hein? 2 heures. Ok, Jean, libellule. Tu fais ça? Ah, alors, Decker, mon ami Decker, vous allez venir réparer ce petit garçon qui est ici et qui meurt dans 7 heures, qui a tout un sacré paquet de trucs dans le nez. Alors, la mâchoire, on va la changer déjà. Ça, c'est en première chose. Et on va d'abord le soigner. Donc, on va te passer à ça. On va te mettre l'opération de soigner la mâchoire. Une nouvelle dentition, oui, ici, mâchoire. Donc, l'aura la même. C'est la même chose, hein, si vous changez juste de foutre un dentier, quoi, c'est tout. Et donc il va s'occuper du bill. Par contre, j'ai dit que je la suspends le temps qu'il fasse cela, et puis après il passera dans l'autre. Ok. Par contre, libellule, alors tu vas. Tu peux pas nettoyer, toi. Tu vas aller observer les nuages. C'est une bonne idée, ma chérie. Par contre, ici, on va remettre Dan, qui n'a plus de lit pour l'instant. Ok. Et on va relancer. Non, ça c'est ok. C'est fait. Jean, une fois que tu aurais été porté la personne là-bas, tu l'as portée. Tu viens dire bonjour à Icalo. Ensuite, je voulais que celui-ci, il a quoi comme matos? Ok, on va mettre une double zone de stockage, une, deux, dans laquelle on va mettre un pantalon et une veste. Pardon, un pantalon et une chemise. Donc, on va dire, tout est effacé. Vêtements. Un pantalon couvre-chef. Non. Je veux un pantalon et une chemise. Une chemise et un pantalon. Sans chemise, sans pantalon, ce soir. Pouf, ok. Donc, tu peux pas apprendre ça. Ok. Becker. Viens me transporter ça, alors on y est. Tu veux me vendre des ours polaires? Ah ouais, mais là on n'est peut-être pas dans le bon endroit pour ça. Il n'y a pas de composants, bien entendu. Pas de chance. Bon, moi j'ai du smoke leaf que je vais te vendre. Déjà. Je vais t'acheter du plastacier. Ça, pour le moment, j'ai pas les sous pour m'amuser à ça, mais sinon, je prendrai à volontiers. J'ai un poumon. Mais si jamais j'en ai un, moi, de mec qui se fait enfoncer le poumon, ben, je ne pourrai plus. Devoir de poumons, quoi. Un poumon, il n'y en a pas de rechange. Non, il n'y a pas de poumon dans
dans les bio-bidules, quoi. Donc un poumon, un rein. Non, le rein, je crois qu'on peut le changer. Et le foie aussi, peut-être, mais le reste, je peux pas. Bon, on a fait le tour, mais c'est ça que je voulais, moi. J'ai absolument besoin de récupérer ce truc. Allez, accepté. Bon, ça, c'est OK. T'es tout nu, toi? T'es tout nu? T'es tout nu? Eh bien, tu vas mettre ça. Ça, c'est quoi? C'est une chemise? C'est un t-shirt. Donne-moi un peu un t-shirt, mec. Tu vas prendre froid là-dehors, comme ça. Tu vas mettre un t-shirt. Ça, ouais. Et puis, tu vas me transporter ça. Bon, tu vas l'apporter aussi. Celui-là, il a l'air mieux que celui que tu as. Parce que je crois que ton pantalon, toi, il est Button, comme on dit, 46, ouais. Et donc, ensuite, tu vas porter ce pantalon. Et ensuite, tu vas ramener le chapeau. Tu dois pouvoir faire ça, normalement, sans trop de difficultés, mon ami. La vache, ben, profite-en. Prends ça tout de suite. Équipe ton revolver. C'est pas la peine de donner des trucs. Donc, il me reste 335. Bah, je vais t'acheter toute ta neutro. Je vais déjà te voir de Gojus. 40 balles! Waouh, génial! Génial, 40. Donc, c'est tout ce que je peux encore acheter d'intéressant chez toi. C'est un max de neutro. Voilà, il me restera 20 francs. Il me restera 20 francs, c'est tout ce que je peux faire. Accepté. Alors, on va récupérer un petit peu tout ce qu'on peut. Chauve, prends-toi avec... Ah, j'avais pas vu que j'avais encore ça, moi. Ok. Oui, normalement... Il n'a plus rien maintenant, hein. Il n'a plus de fric. Il n'a plus de fric, hein. Ouais, il n'a plus de fric. Ok. Donc, ce que j'ai besoin. Je vais regarder les restrictions. Ok, elles sont bonnes. Tout est ok. Un raid ou quoi? Ah non. Non, c'est fini le raid, il n'y a pas de problème. Alors, toi, mon ami, tu vas te changer et on va te mettre en recruter tout de suite. Et je crois que n'importe qui peut aller, en tout cas déjà, commencer à tester le bidule. Et c'est un joli. C'est le petit dernier ici, 3-3-3, le chauve. Dan avec son petit 9 et 7 pour vache. On va descendre vache. On va plutôt laisser Jean y aller le plus vite possible. En deux. Et on va en mettre deux aussi pour Dan. J'aime bien qu'il monte aussi, ça. Sa sociabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il mange un cadavre? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai bouffé le mec qui était ici. Pas le pumpkin, c'est l'autre. Au lieu de transporter, j'ai dit consommer. Ah ouais. Bon, ben... Ouais, ah oui, ça la fout mal, ça. Bon, 12 heures, ça va, hein. 12, 32. Ah ben, zut alors.
Bon, allez, Jean Théo. Je vais demander de ne plus nettoyer ici dedans. Ça n'a aucun intérêt de venir nettoyer ici dedans. À la limite, juste ici, comme ça, là et là. Comme ça, quand il passe là-dedans, il ramène pas de saleté s'il y en a. Ok. Viande de dromadaire a pourri dans le stockage. Merci de me l'avoir rappelé. Je peux maintenant la refuser ici et l'autoriser ici dedans. Parfait. Tu sais quoi? Toi ici. On va faire autre chose avec toi. Soit on fait du smoke leaf pour vendre, soit on fait de la racine de vie pour vendre aussi. Et de la racine de vie, j'en ai quand même pas des tonnes, donc on va commencer par la racine de vie. Qui est-ce qui va le plus vite des deux? Toi, tu as besoin de 100% ou 670, ok, tous 7 jours et demi. Par contre, plante de vie, il faut 7 jours. Ok, on va mettre un petit peu de plante de vie ici dedans. On a assez de riz pour le moment, je crois que. Voilà. Grizzly. Tu sèmes la zone. Quand tu sèmes la zone, tu sèmes la zone. T'as du mal, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu veux rejoindre ton petit amoureux? Hein? Ça va tellement vite. Regarde, toi tu vas vite, hein? Ah, puis Jean, il sera encore dans le pieu, il ne fait que t'attendre. Tu m'as oublié. Celle-là. Allez. Alors, visite à n'importe quel animal. Apprivoiser n'importe quel autre animal. Ok. Bah, pour le moment, on n'en a jamais trop ici. Alors, il y a une veste. Est-ce que tu as pu te mettre ta veste, prisonnière? Non. Mais une veste, c'est une chemise. Je crois qu'on t'a volé ta chemise, mon petit. Et donc, on va. Ah oui, j'aurais encore pu vendre aussi ça. Je ne vois pas d'autres chemises. Hein. Non. Eh bien, ma biche, tu vas avoir droit à une chemise en volant. Ici, je ne peux plus en avoir. Et ici, je peux en avoir une. Voilà. Vache. Ça. Allez. Là, tu vas récolter.
Le prochain truc que tu me vires, je crois que je vais mettre un petit peu de tissu. Parce qu'on n'est quand même pas mauvais. Hein. On a 2005 de nourriture là. Même du lait et tout, donc. Ouais, ça c'est que j'ai pas encore de lait, moi, tiens, en fait, là. Montée de lait 78%. Est-ce qu'il est mon lait? Ah, il est là, d'accord. Alors, monsieur Allo. Après, vous allez un peu me récupérer le matos qui est là-bas, s'il vous plaît. Et monsieur, dame, vous me ferez. Là, même chose. Alors pourquoi est-ce que je vais les récupérer, même s'ils se vendent pas bien, parce qu'à mon avis ils vont pas se vendre du tout. Mais je vais juste les fondre. Tout ce qui est en métal, vous fondez. Vous n'allez pas vendre un truc. J'ai vu la nouvelle vidéo de Kowinski. Il a vendu une arme qui vaut 0,07 en métal. Une arme en métal qui valait. Il y en avait même deux. 2 fois 0,07 cents. Donc, ça valait vraiment la peine. Donc, ces armes-là, ben, vous allez en tirer une bonne vingtaine, enfin, au moins une bonne quinzaine d'euros si vous les fondez, hein, puisque vous allez récupérer du métal que vous pourriez revendre à la place. Bon, j'ai même pas vendu. Ça, c'est quoi ça? Oh, oui. On va installer la troisième. On peut la mettre ici, hein. Je vois pas qu'est-ce que ça gênerait. On va un peu regarder comment ces gens-là vivent maintenant ici. 6-8, 6-3, attends, bouge pas alors, mec, je crois que 7-5, oui, donc là, il n'y a pas besoin. 6-2, 4-1-4, il n'y a qu'à ce niveau-ci. Donc, on va plutôt mettre notre petite histoire un petit peu plus bas, par exemple, ici. Voilà. Alors, monsieur le chauve, vous allez papoter, c'est une bonne idée. D'accord, vous allez papoter, mais ensuite, vous viendrez me récupérer ceci. Comme ça, je vais pouvoir ensuite fermer la porte. On va pas la garder ouverte tout le temps, hein. Et tout le reste me semble parfait. On est reparti. Hop, hop, hop. D'ailleurs, avant de recruter. Ah, mais t'as mis ton chapeau, c'est bon, t'as mis ton chapeau. Alors, il y avait deux chapeaux. Chapeau melon en cuir. Chapeau melon en cuir. Et chapeau melon en fourrure d'ours. Il n'a pas l'air mieux, hein. Ah, il est bon aussi, hein, sans dire. Ok, on va vous garder, hein. Il conserve pour la chaleur. Ah, chapeau melon, là. Chaleur. 8,8. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ici, celui-ci faisait combien? 7 seulement, tu vois. Bon. Tout ça, c'est pas de mal du tout, je crois. Nous voici donc avec Monsieur Maker. Monsieur Maker qui est un grand maker, mais pas de la paix. Pas un peacemaker. C'est ça que j'attends avec une grande impatience.
On va mettre uniquement Jean qui va aller me le faire. On va mettre uniquement Jean pour le recruter. D'ailleurs, toi, hop, je t'enlève aussi. Il n'y a plus que Jean qui va s'en occuper. Ok. Température, il fait encore assez bon. Et on va faire de toi du plan de coton. Voilà. J'ai un plan de smoke et un plan de coton. J'en ai où la smoke ici? 84%. Eh ben, tu finiras l'année là-dessus, ma biche. Ok. Oh, ma pièce est finie, les gars. Ma pièce est finie. Base. On a besoin de nettoyer tout ça. Alors, par contre, j'ai besoin de me faire les quatre cases qui sont ici. De me faire une ici. Et d'accord, me faire celle-là aussi. C'est dommage, j'ai pas regardé. C'est un peu idiot de ma part. J'aurais pu mettre la lampe, quoi. Alors, il va falloir également aplanir la surface. Non, pas là. Là. Tout ça. J'ai bien dit que je voulais du coton. Ok. Ça, c'est pas nécessaire. Non, c'est quand même nécessaire. Ensuite, de l'énergie. Câble électrique. Et là, ça ne chauffe plus, ça ne pousse plus maintenant. Quarante-quatre, là, c'est limite. Ben, ça me fera 40 à chaque charge, celui-ci. Et celui-ci, je ne sais pas combien est-ce qu'il donne. Ben, je pense que tout va bien se passer.
va quand même falloir remettre une ampoule aussi. Positionner ici, c'est pas mal. Comme ça, si les gens voient clair, hein. Ouais, donc ça c'est bon, hein. Alors, il va me falloir une structure. S'il te plaît. Regarde, sinon ils en foutent partout, hein, les gros cochons là. Ah, il a bien tout dégueulassé, hein. Je le laisse, hein, parce que sinon il va plus, il va perdre, on va perdre tout le temps qu'il a mis pour faire la petite. La petite truc, qu'est-ce que tu as vu? Ah oui, c'était. Ah, t'es guéri de. Alors. Qu'est-ce que tu m'offres? Ah oui, l'artefact, j'adore, et de l'hyperfibre. 39 et les 33 que j'ai, ça me fera 72. Il en manquera encore 8 pour faire une guenille. C'est ouf, mon petit. Où est-ce que ça se trouve? La planque. Ah, c'est hyper loin. Deux jours. Et deux jours pour revenir. Je ne vais pas faire cette quête-là.